Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma deuxième vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais présenter des objets. Donc deux objets, what the fuck. Donc j'ai, c'est dans une boîte comme ça de lin. Voilà. Donc j'ai du slime. Très bizarre, vous allez voir. Et j'ai un robot à vous présenter aussi. C'est un robot spécial, vous verrez pourquoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Ah oui, une petite précision, c'est que soyez pas trop indulgents dans les commentaires, parce que c'est vraiment mes nouvelles vidéos, donc c'est mes premières vidéos. Donc s'il vous plaît, mettez pas de commentaires méchants. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer par le slime. Donc c'est du slime que j'ai pas acheté mais qu'on m'a fait, voilà. Donc c'est du slime crunchy si je ne me trompe pas. Donc c'est du slime en fait avec des billes de polystyrène dedans. Et en fait c'est vraiment un déstresseur. Donc c'est quelque chose que je recommande vraiment parce qu'en fait ça déstresse, mais ça déstresse super bien quoi. On peut les tirer, on peut faire des bulles avec, etc. Donc c'est vraiment cool. Alors je vais vous expliquer comment on peut en faire. Donc vous pouvez prendre de la colle Cléopâtre. Vous pouvez prendre soit de la colle Cléopâtre ou alors de la colle en bâton, mais de la marque Bic. Sinon ça ne fonctionne pas. Certaines colles fonctionnent, ouais, comme la Giotto. Ensuite, vous pouvez prendre du produit vaisselle, de la mousse à raser, etc. De toute façon, je ferai une vidéo qu'on en fabriquera. Donc écoutez, donc c'est fini pour le slime. Donc maintenant, je vais passer à l'étape supérieure. Donc la présentation de deuxième objet What the Fuck. Donc c'est notre robot. Voilà. Donc écoutez, on passe tout de suite au robot. Donc. Le robot, l'ai acheté sur internet pour 5 euros. Donc, on va voir tout de suite sa présentation. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce robot. Donc, déjà, ce robot est un robot danseur. Donc, il va danser sur une musique qui est déjà enregistrée dans ce robot. Donc, vous pouvez pas mettre musique à côté. Ils en vendent également Action si vous voulez vous en procurer. Donc, derrière, il faut mettre des piles, 3 piles AA. Là, on a un bouton marche arrêt. Ici, le robot fait de la lumière, tout simplement. Le robot, quand il danse, il bouge les bras ainsi que les jambes. Et en fait, le robot tourne sur lui-même sur cette plateforme. Et en même temps, en fait, il glisse sur le côté. En fait, il y a des petits moteurs là dans les roues ici. Il y a des petits moteurs. Donc, écoutons, on va le démarrer tout de suite. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, donc surtout pour les enfants de 5 ans environ. J'en vois également sur internet, bah, c'est sur internet d'ailleurs que j'en ai acheté. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme je vous ai dit avant, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce qui va pas, ce qui va bien. Je fais juste ça pour le plaisir, je fais pas ça pour être connu, etc. Parce que j'aime bien faire ça. Bref, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bye! Petite précision. Donc, Holographics, c'est un jeu que j'ai acheté. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. Donc, en fait, c'est un jeu pour créer des hologrammes. La vidéo sortira sûrement demain ou après-demain. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je la ferai avec ma cousine ou pas. Bah voilà, écoutez, c'est pour créer des hologrammes et tout. Donc comme je vous ai dit avant, je vous dis à bientôt et bye!